Et bonsoir gens, c'est Willy, on se trouve pour l'épisode 39 de notre Let's Play sur Pokémon Heart Gold. Dans l'épisode précédent, nous avions traversé tout le bas de Kanto. Donc on avait descendu Argenta pour aller, on a traversé la forêt de Jade, puis la route 2 pour arriver à Jadiel, puis là on avait descendu la route 1 pour arriver à Bourg-Palette, la ville de départ de Kanto. On a passé un petit bonjour au prof Shen. Et puis nous avons emprunté le chenal 21 pour arriver au Cramoisil, la ville où il y avait le champion d'arène Auguste. Sauf que la ville est rayée par une a été rayée par une explosion, une éruption volcanique. Et du coup, il a déménagé aux îles Écume et on va s'y diriger pour aller l'affronter. Juste avant ça, on avait vu à la fin de l'épisode précédent qu'il y avait un monsieur ici. On va aller lui parler. T'es qui toi? Je suis Blue, l'homme qui a conquis tout Kanto et qui est devenu maître. Enfin, sauf que Red est venu me gâcher la vie et je ne suis pas resté maître bien longtemps. Quoi qu'il en soit, regarde un peu ça. Il a suffi d'une petite éruption volcanique pour détruire une ville tout entière. On a beau gagner et perdre des combats de Pokémon, la nature n'a qu'à trembler et il ne reste plus rien de nous. Bref, je suis un dresseur. Quand je croise quelqu'un de fort, je ne peux que l'affronter. Toi, si tu veux vraiment m'affronter, montre-moi combien de badges de Kanto tu as récolté. 6. Ce n'est pas suffisant pour te battre contre moi. Ok, il faudra que j'aille le voir du coup quand j'aurai les 7 badges. Du coup, je vais aller affronter Auguste, hein. Hop. On est parti. Il n'y a pas de magasin ici malheureusement. Mais c'est pas trop grave, on va faire un peu de route. Et au pire, j'improviserai. Le repos se dissipe. On va en remettre un. Il m'en reste encore un petit peu, hein. Juste assez pour faire la route, je pense. Allez. On va peut-être éviter les dresseurs pour le moment. Quoique, ça fait un entraînement, hein, en vrai. Allez. On les fera pas tous, mais je les ferai en off, les autres. Enfin, un dresseur qui va pouvoir me distraire, on dirait. Go Elise. Gros feu. Quoique je sais pas, ça ferait beaucoup de dégâts parce que je crois qu'il est type haut et vol. Ou haut, ou normal vol. Ou haut et normal, je ne sais plus. Bon, morsure. Je pense que c'était plus normal vol parce que vu comment il a pris cher. Un rapace de pique. On va passer à Steelix. Mais c'est bien, au moins je reçois de pas mal d'entraînement. Vu que mes Pokémon étaient un peu à la ramasse aux questions niveau, et bah là on rattrape notre petit retard, notre petit handicap. Et c'est tant mieux. Parce que rappelez-vous que après avoir affronté tous les champions, sachant que Blue c'est le plus puissant, je crois, et bien on va refaire les 16 champions plus un autre dresseur, donc. Et peut-être même la ligue, s'il y a une V2. Mais. Ça veut dire qu'on aura pas mal de travail à faire. Ouais. Arcanin a toujours pas level up. On va affronter la petite scout. Quand j'étais petit, je jouais toujours enfermé dans la maison. Maintenant, j'adore jouer dehors avec mon Pokémon. Un Lixi. Oh, Lixi, ça me rappelle mon Lixi de Pokémon Diamant. Allez, lance-flamme. Je passe au niveau 52 avec Arcanin. Mais... Encore l'ornithologue. Pour l'instant, je fais que ceux qui sont sur les petits îlots comme ça. Et un petit combat contre moi, ça te dit? Parce que les nageurs, ça va être long et un peu chiant. Et je vous dis, je ferai ça en off.
Au pire, j'arriverai aux îles Écumes, j'irai me soigner et j'y retournerai en affrontant ça. Par contre, ça fait plaisir, là, ils ont des Pokémon de Sinnoh, ça fait toujours plaisir de les voir. Parce que Sinnoh est pour moi une des meilleures générations, une des meilleures régions, hein. Vous savez, vu comment je fanboy dessus à chaque fois. Et on attend toujours le remake, hein. Il arrivera un jour et on le fera, mais on l'attend pour l'instant. Il sait se faire attendre. Ok, la madame. J'ai mon plus beau bikini et mon plus beau Pokémon. Que Notor. Bah j'ai bien fait de switch parce que je vais pouvoir lui rouler dessus du coup. Un petit casse-brique. Voilà. Et on est arrivé aux îles Écumes. Un message est accroché sur le panneau. Ici, arène de Cramoisille, champion Auguste. Ok, on va juste affronter elle avant. T'as un train à prendre? Fais donc une petite pause, combat. Ok, elle a un Balignon. Ça, normalement, avec Aéropiqué, ça devrait finir. Balignon, d'ailleurs, c'est un Pokémon qui est super. Enfin, quand j'étais petit, j'ai kiffé ce Pokémon parce qu'en fait, il évolue en Chapignon. Chapignon est type plante combat et il est tellement stylé. Si on joue à une version qui se passe à Hoenn, peut-être qu'on essaiera de choper un Balignon si c'est possible. Parce que Chapignon, oh là là. Du coup, ouais, les îles Écumes. Mais si je monte, c'est les champions d'arène. Salut, future légende. Cet endroit a été bâti en toute hâte et il y a encore plein de rochers et de dresseurs pour t'empêcher d'atteindre Auguste. Mais si tu bats les dresseurs sans perdre ton sang-froid, le chemin s'ouvrira devant toi. Oui, du coup, alors, vu que c'est un champion des Pokémon type feu, je vais dire Alligator et Dracolosse, mais après, en troisième Pokémon, il n'y a pas grand-chose quoi. Steelix à la limite, voire Canin, mais ils font pas non plus. Ils sont pas non plus optimal niveau force. Mais bon, on va tenter, hein. Toute façon, on est là pour s'entraîner. Un scientifique prend soin de sa blouse comme de lui-même. Je la lave avec soin, même dans un endroit pareil. Ok. Ah, il a intimidation. Allez, surf! Ça va, pour Alligator, ça va être gratuit, hein, franchement, cette arène. Ah, il tank quand même bien. Hein. Allez, tranche. C'est bon. C'est le trou noir. Quand j'enfile cette blouse, j'ai l'impression de devenir plus intelligent. Allez, 2-2. Une arène dans cette grotte. Voilà qui attise la curiosité, pas vrai? On peut dire ça. Oh, un Chartor. La génération 3 est pas mal aussi avec tout leur. Ils ont une bonne diversité de Pokémon en fait. Genre, quand vous regardez par exemple, il me semble que Octillery est un Pokémon de la 3ème génération. Corailion aussi. Goélize, je ne sais plus. Mais vous voyez, ils ont pas mal de Pokémon sympas. Genre, les starters sont cool. Chartor est pas mal.
J'aime bien leur Pokémon. Voilà, le début de ce jour me motivera pour être meilleur demain. Ce n'est pas parce qu'on a perdu notre arène qu'on va jeter l'éponge. Je suis aussi obstiné qu'Auguste. Ok, il a un Magmar. D'ailleurs, il faudra que Alligator apprenne Hydrocanon parce que. Sors, ça commence à être un petit peu faiblard, j'ai l'impression. Les Pokémon de feu commencent à tanker. Moi je passe niveau 53 avec Alligator. Tous ensemble, on va aider Auguste à reconstruire cette arène. Je recueille des données de combat. Merci de votre coopération. Ah, un chamallow. Par contre, ouais, ils sont haut niveau, hein, c'est chaud. Analyse impossible, ok. Cette puissance dépasse toutes mes attentes. Mais qui êtes-vous donc? Ah, un dresseur que même moi je pourrais battre. Ok. Volcaropode. Double faiblesse. Oh, lui, il va prendre cher. Voilà, c'est super efficace. J'ai pas pu gagner. Veuillez accepter mes excuses. J'avais sous-estimé votre puissance. Oula, on a accès à Auguste, mais je vais d'abord affronter lui. Quand on a perdu la reine, on s'est d'abord tous séparés. Mais la passion des Pokémon nous a finalement réunis ici. Fenard. Ok, j'ai mis KO son Fenard. Voilà. Bon, bah du coup, je vais aller au centre Pokémon vite fait avant de combattre Auguste. Ah oui, par contre, il me coince. Du coup, oui, je vais aller soigner mes Pokémon. Et je vous retrouve devant Auguste avec mes Pokémon prêts. Allez, à tout de suite. Et donc, c'est bon, j'ai soigné mes Pokémon. Là, on va du coup pouvoir affronter Auguste. Êtes-vous prêt? Moi, je suis prêt. Waouh! La reine de cramoisie a été engloutie par le volcan, mais il en faut plus pour m'abattre. Tu vois cette grotte? On l'a modifiée pour que je puisse continuer à faire mon travail en tant que champion. Si t'arrives à me battre, je te donnerai un badge. On y est? Allez, allons-y. Ah, Auguste. Qui a un petit swag d'ailleurs, hein. Volcaropode. Ah, j'ai mal commencé du coup. J'ai commencé avec Arcanin. À moins que les morsures passent et que lui il a que des attaques feu. Oh. Non, il a éboulement. Et ça fait très mal. On va mettre Alligator. Par contre, voit son premier Pokémon niveau 54, ça fait mal, hein. Il commence assez fort.
Heureusement que j'ai surf. Et ça risque de lui faire très très mal, hein, parce que quadruple faiblesse. Ça le met KO. Il a un Magmar. Magmar, je peux changer et mettre Dracolos. Ah, finalement, c'est un combat plutôt rapide, hein, j'ai l'impression. Allez, Hydroqueue. Ah, il me rend confus. Je me blesse dans ma confusion, c'est pas trop grave. Dracolos a pas mal de PV. Par contre, Dracolos, il faudrait commencer à taper. Oh, ça pique. Allez, Dracolos. C'est bon. Hydroqueue est passé. Mais elle n'a pas mis KO. Je crois que je vais me soigner, hein. Mais sa surchauffe, elle est quand même assez puissante. Ouais, elle m'enlève 70 PV. À peu près. En espérant que je sois plus confus. Ouh, le point éclair. Aïe. Ça va, j'ai réussi à le tanker. Je sais pas comment, parce que j'aurais dû prendre un peu cher quand même. Mais bon, on a fini son Magmar. Il lui reste plus qu'un Pokémon. Et c'est... Qu'est-ce que c'est comme Pokémon? Un Galopa. Oh, on va continuer le combat pour l'instant. Niveau 59, hein. Il surchauffe. Je tank. Ah, il a mis de l'herbe blanche avec à tous ses Pokémon, quoi. Bon, au moins mon Hydroqueue va lui faire assez mal. Midlife, ouais. Et je peux pas faire grand chose de plus, hein. Ouais. Allez, Alligator. On compte sur toi. J'ai toutes mes chances. Ouais. Ça va, je peux en tanker un deuxième normalement. En espérant que je le mette KO. Je le mets KO. Ok. Et j'ai battu le champion Auguste. Mais ma détermination, je n'ai pas tout lu. Zut, le texte passe trop vite. Bon, bravo, je suis en centre. Prends ce badge volcan. Et je reçois le badge volcan d'Auguste. C'est notre 7e badge, du coup on va pouvoir aller voir Blue pour l'affronter. Et en plus, je te donne ça, ça s'appelle surchauffe. C'est un peu risqué, mais c'est tellement puissant. Alors, on s'en fiche. Ah, ça je pourrais l'apprendre à Dracolos s'il l'apprend, s'il peut l'apprendre, ou sinon à Arcana. Aujourd'hui j'ai perdu, mais je rebâtirai la reine de Croix-Moisil. Et la prochaine fois, je gagnerai. J'espère qu'on se reverra. Moi aussi je l'espère, Auguste. On se reverra pour la revanche. Bon bah du coup c'était un bon combat, un bon entraînement j'allais dire, mais pas vraiment. On va pouvoir rentrer à la maison tranquillement. On peut rentrer même en vol, hein. Attendez, qu'est-ce que je fais? Hop.
Non, pas Bourg-Palette, à Cramoisil. Pour se soigner tranquillement. Et après, je vais vous laisser là. Ça fera un épisode assez court, mais au moins, on aura fait quelques petits combats. Ça fait du bien, un petit épisode court de temps en temps. Donc, hop. Je soigne mes Pokémon. Mais je sens qu'on va galérer contre Blue si je m'entraîne pas. Donc, je vais peut-être m'entraîner un petit peu en off. Mais bon, ça sera pour une autre histoire, ça. Du coup, je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans le prochain épisode, on affrontera Blue, et donc on aura notre 8e et dernier badge. Et sur ce, je vous dis à très vite!